DMSTV jabarani filabagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni wagati na anw ni DMSTV ta ka k'a ka kunnafoni soba ye an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ka to aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ an ɲɛna ko bi an ye wele bila mɔgɔ fila de ma ni an n'u bɛna jɛ ka baabu ɲɔgɔn fɛ k'a jira la fana ko aw b'a ka émission spéciale de la émission spéciale jumɛn de don k'a jira la k'a fɔ ko baabu min bɛ kɛ jamana kɔnɔ kuma caman an bɛ wele bila mɔgɔ ma olu bɛ se ka na ka se ka walawalali k'o la cogoya min na pour que aw fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la ne tɔgɔ Abubakar Sidiki Jara k'a fɔ an ɲɛna ko an ka bɔlɔlɔsira fana sanfɛ n'a fɔ Facebook DMSTV TV ani YouTube DMSTV avant en sort au Bella Jelly sans feu ou qui est pour que Bella Jelly Messira Kunafuni sur Tuamna. Ou recommande ma Bella Jelly na Amma Fanana Antenna, nous abonnez nos pagina, nous mansi, en affluent au Bella Jelly, en y en ta carac, ma fouille soubaye, ou coûte de l'or ou baraque ou numaïka di Auma. Ou n'a pas Tuamna, ou en y voulu blam, ou flarima, ou bien habit, en ou bien djera, ma mère fait, en la émission spéciale là, ou émission spéciale et régimen, Abeba Kalamara Foko, en la évolution, formation, ni gouvernement ou blasena, en la. École Karamo avec Kala, école Soumina, donc Sanchama ou Bibo, et Badou Chamambo, Menia Détéminé, ou Wakon Rukma, Akma Kacha, même Taoum, ou Nomrouna, ou Nomrou Tesoro. Aya et Tumika, ou gouvernement et Nomrou Bokum, ou Wakimidoula, ou Nouta, Barakemu, mais Mumuya Ida, Kafoko vraiment, ou Nomrou Akado, ou Akado, et Redi, ou Wani gouvernement pour Akado Fraga, mais sans doute, un autre homme ou un plateau sans fin, en Ouna Jira, Massalan, mais madame n'aura pris un affaire, n'a l'étoile. Kaineda Ak Mata, allez de collectif de président, nous collectif de joueur, collectif de sortant des instituts de formation des maîtres, donc à nous le blâme, le secrétaire général, nous Brahma Samaki, ou Fla, ou sera plateau sans fait. Madame le président, le président, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. Ok. Mais avant de commencer, une salutation à l'endroit de nos followers et abonnés sur DMSTV, avant de commencer le débat. D'accord, merci. Je suis Kaneda Agmata, je suis le président du collectif de sortants des instituts de formation des maîtres. Oui. Je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs les followers de Bonnes TV. Oui. Et j'exhorte aussi nos militants à s'abonner à cette chaîne YouTube. Oui. Également à suivre DMSTV sur Facebook. Effectivement. Facebook et YouTube. Oui. Alors, je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Bravo à Samaki. Oui. En fait, lui, il y a des déplacements dans le Djarani, dans le plateau, sans le programme. Voilà, le monde qui est là. Il y a des gens qui sont là. Donc, il y a des gens qui sont là. 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 Ok, il y a des gens qui sont là. Mais au rafou folo au ka tiasira la ani au ka baranu mana au ko fe mbi la même bagan flel baga bela jale fo moko moko abonne le DMSTV la nous va suivre permanemment mou bela jale fo et mi anyini nga tondum fe son fe yefem ke bon en attendant bela jale pour abonner page na DMSTV ka to ka pona fon jale soro ka bo information balia de villa voilà mo la nyino fe merci beaucoup vous jarai bon fo ko fami ga Et monsieur le président du collectif des soldats des IFM Canada, voilà, on voulait vous demander quel est l'objectif de votre association. Si vous pouvez nous expliquer ça avant de commencer les autres thèmes aussi. Ah, d'accord, merci. C'est vrai, pour parler de quelque chose, il faut le connaître. Effectivement. Nous sommes des enseignants. Mm-hmm. Après, nous avons fait un concours pour aller faire. Une formation d'enseignants. Oui. Après la formation DEA 4 ans. Oui. Après le bac, tu fais 2 ans. Oui. Après le DEA, tu fais 4 ans. Okay. Mais il y a quelques années, à partir de 2010, mm-hmm. vraiment notre employabilité est devenue un grand problème. Mm-hmm. Chaque année, des milliers d'enseignants sortent des instituts de formation de maîtres. Oui. Ils ne trouvent pas d'emploi. Mm-hmm. Donc, en 2015 d'abord, nous avons essayé de mettre en place une association pour défendre les intérêts, premièrement des enseignants et secondement l'intérêt général de l'école malienne. Et la première tentative, il y a eu des embrouilles, on n'a pas pu mettre en place l'association. En 2016, on a retenté encore. Il y a eu un premier bureau qui n'a pas fait long feu. Oui. Mais à partir de 2017, j'ai trouvé que moi aussi,
les premières tentatives, j'étais encore moi étudiant ou élève maître. Après, quand je suis sorti avec beaucoup de nos amis, beaucoup de nos camarades, Daouda Ngoïba, Issa Dambélé, Mandou Donigo, la Sena Keita, ils sont nombreux, Fousséni Sangaré, et notre américain, monsieur Aboubakar Keïta, qui est aux États-Unis aujourd'hui, on a tout fait, on a mouillé les maillots pour mettre en place cette association. Nous avons d'abord appelé les gens pour une grande rencontre à Sogonico. Au cours de la rencontre, il y a eu vraiment du monde. Nous avons expliqué le problème et sur place, nous avons mis en place un nouveau bureau. Qui a commencé d'abord à travailler pour obtenir le récépissé. Et c'est ainsi qu'en 2018, le 5 janvier 2018, nous avons obtenu notre récépissé. Et depuis ce temps, nous sommes en train de mettre des cellules à travers le pays, c'est-à-dire des représentations de l'association, et rencontrer aussi les autorités, les personnes de ressources, pour attirer leur attention sur nos préoccupations, sur les problèmes de l'école malienne. Parce que vous savez, si les enseignants ne sont pas pris en les préoccupations des enseignants ne sont pas prises en compte, ça veut dire que l'école aussi, en quelque sorte, est négligée. Effectivement. Parce que plus l'enseignant est content, plus ça se voit dans le résultat. Effectivement. Donc nous avons démarché les autorités. Et même cette année, nous avons démarché encore pour attirer leur attention sur le problème des enseignants qui se multiplient dans les rues. Et chaque année, minimum des milliers, au moins 3000 enseignants sortent des instituts de formation de maîtres. Ça, c'est les enseignants seulement du fondamental 1 et 2, en plus de l'EFEP, c'est-à-dire les préscolaires, jardins. Si vous prenez ces lots, et vous y ajoutez maintenant le lot des sortants de l'INTP, le lot des sortants de l'INSIP, le lot des sortants de l'INGES, ça va faire combien? Des milliers d'enseignants. Parce que toutes ces écoles que je viens de citer forment également des enseignants. Ce sont des écoles qui forment les enseignants. Donc face à ce problème-là, je pense que nous avons rencontré les autorités, principalement presque tous les premiers ministres qui se sont succédés de 2018 à nos jours. C'est seulement l'actuel premier ministre qui ne nous a pas encore reçu. Nous espérons qu'il nous reçoive très prochainement pour expliquer les problèmes. Nous avons rencontré aussi d'autres personnalités pour ces mêmes problèmes. Mais force est de reconnaître que il y a 3 ans, les autorités n'ont pas organisé les concours. Trois ans. Après ces 3 ans, cette année, lors du conseil des ministres passé, nous avons pris connaissance d'un communiqué par rapport au recrutement de 500 enseignants. 500 enseignants. Est-ce que vous savez seulement que les 3 années où il n'y a pas eu de concours, il y a eu plus de 9000 enseignants qui sont sortis? Ça, c'est seulement fondamental 1 et 2. Fondamental 1 et 2. Plus de 9000. 9000. Si vous ajoutez les 9000 à ceux qui étaient là déjà, ça va faire plus de 20 000. Il faut ajouter maintenant les sortants de l'INGS, les sortants de l'INTP, les sortants de l'INSIP. Alors combien? Pour un simple exemple, prenez seulement les concours de 2018, parce qu'en 2017, il n'y a pas eu de concours. En 2018, il y a eu un concours, les postulats étaient 12 000. Et on a pris 442. Ôté 442 dans 12 000. Non, ça reste... C'est insignifiant. Oui. En 2014, en 2019, il y a eu un autre concours. On a recruté, est-ce que c'est pas 1700 enseignants pour les ordres d'enseignement. Et les postulants étaient 14 000. Il faut ôter 14 000 dans 1700. Il va rester combien? C'est beaucoup. Ajoutez maintenant à ce qui va rester, on fait les calculs mentaux, 14 000 moins 1700. Les restes, on va ajouter maintenant seulement les enseignants qui sont sortis des études de formation de maîtres pendant les 3 dernières années où il n'y a pas eu de concours. Les 9000 enseignants. Ça va vous donner plus de 23 000 enseignants. Non, ça va vous donner plus de 23 000 enseignants. Ça, c'est seulement
quelques enseignants qui sont sortis des instituts de formation de maître. On n'ajoute pas maintenant les enseignants sortis de l'INGS, de l'INTP et de l'INSI pendant ces trois dernières années où il n'y a pas eu de concours. Donc voilà notre problème. Oui. Et nous sommes là pour combattre ce problème-là. Oui. Nous sommes là pour aider aussi les autorités à combattre le chômage des enseignants. Oui. Nous sommes là aussi pour aider n'importe qui à faire de l'école malienne une école compétitive. Voilà les principaux objectifs de la création de notre association. Oui. Mais est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi dans ces trois années il n'y aura pas, ils n'ont pas fait de concours d'entrée? Oui, bien sûr, chaque famille. Vous avez eu... Oui. Oui, nous avons eu des informations. Oui. Premièrement, en 2020, on dit que le gouvernement voulait organiser le concours, mais avec les problèmes de coronavirus, oui. Il y a problème de fonds. Et que voilà, même si on recrute les enseignants, on va les mettre où? Oui. Les écoles sont fermées. Après, il y a eu le coup d'État. On dit voilà, bon, avec le coup d'État, on a dit on va organiser. Chaque fois que nous sommes partis voir les autorités, elles me disaient non, le concours aura lieu. Ils ont dit ça, que le concours aura lieu? Bien sûr. Oui. Les autorités ont dit clairement, l'ancien directeur de la fonction publique, oui. Parce que nous avons rencontré en 2021, début 2021, mm-hmm. Le chef de cabinet du ministère de l'administration territoriale, oui. Qui nous a envoyé le même jour chez le directeur national des concours de la fonction publique, oui. Pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Et le directeur, M. Djangina Koulibaly, nous a promis que le concours aura lieu dans les plus brefs délais. Ouais. Le premier trimestre de 2021, mm-hmm. Nous a dit que le concours aura lieu. Oui. Le concours n'a pas eu lieu. Oui. Nous sommes retournés. Il y a eu quelques perturbations, mais voilà, le concours aura lieu très bientôt, oui. Avec quelques propos pour nous apaiser. Mm-hmm. Et finalement, qu'est-ce qu'on nous dit? Après la rectification de l'attention, on nous dit, bon, les problèmes, vous savez que maintenant, il y a de l'insécurité. Et vraiment, la priorité de l'État, c'est ramener la sécurité. Oui. Nous avons dit au ministre, certes, la sécurité est ce qu'il y a de plus urgent, mm-hmm. C'est vrai. Mais, vous savez, pour combattre un problème, pour faire face à un problème, mm-hmm. Il faut le connaître et savoir d'où il vient. Oui. Maintenant, le problème de l'insécurité, il faut savoir que ce n'est pas seulement l'insécurité, il faut s'attaquer au problème. Mm-hmm. Les problèmes, le chômage, ça fait partie des choses qui créent l'insécurité. Effectivement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut combattre l'insécurité sur plusieurs fronts. Sur plusieurs fronts. Oui, la lutte armée et l'employabilité des jeunes et la création des activités génératrices de revenus. Mm-hmm. Parce que souvent, vous êtes là. Tout de suite, on a vu l'armée est en train de mener un combat farouche contre les terroristes, mm-hmm. C'est vrai. Oui. Mais vous allez voir que dès que l'armée quitte, les terroristes, certains, souvent même ce sont les natifs même de village, les ressortissants du village même qui sont les terroristes. Qu'est-ce qui les a mis dans le terrorisme? C'est le problème du chômage. Effectivement, effectivement. Donc, il faut combattre le terrorisme, l'insécurité, oui. Sur plusieurs fronts. Oui. Sans cela, on va toujours continuer dans ce problème-là. Oui. Donc, ça c'est ce que nous avons dit au ministre, qui nous a dit qu'il faut d'abord l'insécurité. Mm-hmm. Okay. Après, nous sommes encore repartis. Il nous a dit, bon, cette année, l'État ne prévoit que de recruter 25 000 jeunes dans l'armée. 25 000 jeunes dans l'armée, mm-hmm. En 2021. Oui. Et l'éducation, c'est, je pense que ce n'était pas le recrutement, mm-hmm. Je veux dire, ce n'est pas une priorité pour l'État. Oui. Mais ce que je voulais dire par rapport à ces propos, c'est que on ne peut pas vouloir développer un pays en mettant derrière l'école. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si aujourd'hui les États-Unis d'Amérique donne des injonctions aux autres pays, ouais. Particulièrement en Afrique, en Asie, c'est parce qu'ils ont des ressources humaines compétentes. Ouais. Si la France, que l'on crie chaque fois, la France est pauvre, mais la France est riche. Pourquoi? Parce que ses ressources humaines sont compétentes. Ouais.
et c'est ce qui manque ici en Afrique, particulièrement au Mali. On met toujours l'éducation de côté. Et si on met l'éducation de côté, c'est normal que d'autres viennent nous imposer leurs idées. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à la situation. Après, je vais revenir. Et Adam, Burama, c'est ma guerre. Oui, Burama. Ok, donc, le secrétaire général, il est collé tout le monde. Le président, il est dame, il a fait Tchamana Sisa. Il est fait, il est fait, école métro gala chama de ka soro ka barako saraka c'est ça femme maintenant de à partir de 2017 on en a déjà terminé ka foko eta te ka recrutement ke alors que eta doit continuer comme vous former 100% avec mon do jeune do sélectionné ta école de formation d'anciens on a ko formé après recrutement ke donc le hokum kono na amoy fm kan jara 600 kan yoy ka sigi est santé ton do sigi mun se ke sawu nga janga fanga fanga nga nga hake ni nyoko fe nan tora en tobola mo ko kenesi ko glan effectivement on est comme 2000 vers 2016 hakil na sorola donc 2017 en sorola ka demande d'amener ka a sebe a papier la ben ka déposer gouvernorat là et Dieu merci en janvier 2018 on a récipité ce état rien en coladon aujourd'hui nous sommes reconnus par l'état malien et sa femme oui ton papier ni tout maintenant hakilina mun bilanin na ka dabɔr ka ɲɔgɔn dɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka mali denmisɛni bɛɛ kɛ kelen ye mɔgɔ surtu mun ye école maitriya kalan kɛ k'u bɛɛ kɛ kelen a ka jɛ ka an ka hakɛ ɲini o kɔnɔna ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ ka kalanko basigi parce que anw de ye jamana ye avenir ye kalan de ye be se ka an dɛmɛ ka jamana ye avenir assure maintenant ni o kɛra kɛrɛfɛ ko ye a ma ɲi o de kama an jɛra ka fara ɲɔgɔn ka tɔn in sigi anw yɛrɛ de ye ka kɛlɛ kun fɔlɔfɔlɔ de ye ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ anw de bɛ terrain kan anw de bɛ kilasiw kɔnɔ anw de ye kalan kɛ anw ni population civile on est en contact permanent nous formons la population civile maintenant an bɛ s'u ma ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye gɛlɛya jumɛn de bɛ kalanko la solution ye jumɛn ka proposé olu dɔrɔn de bɛ se ka solution décision ta ko exécuté an ta dan ye proposition o hokumu kɔnɔ na an ye kumaɲɔgɔnya sɛbɛ adressé presque ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen k'u ka baara ɲɛsinnen don kalanko ma an ye kumaɲɔgɔnya sɛbɛ ɲɛsin adressé à bɛɛ la presque à bɛɛ jamana in kɔnɔ an hakilila mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen mun bɛ se ka an bilasira ubiyɛn ka kuma ɲuman fɔ an ye k'an bilasira hakilina ɲuman ye walasa kalanko ka basigi ka mɛtiri mun fɔrɔma u ka ta mɛtiri fonction publique la an sera bɛɛ ma par exemple ministère de l'éducation ministère de l'administration territoriale la direction nationale du concours de la fonction publique ministère de l'emploi et de la formation professionnelle et même des personnalités individuelles en nous bien ñoyé on expose le problème on est problème exposé avec solution proposée ya femme maintenant au hokum qu'on a comme président agrafo on essaie ñamugo fon fema ou bien la rutani qu'on groupe que mogo beta war bora déjà a hakle sigi avec en contrôle qu'on de 2019 forbi à ma foyer qu'on groupe que foyer kuma kɔni bɛ fɔ an ye n'an ser'u ma waati waati u b'a fɔ an ye aw hakili sigi aw hakili sigi a bɛna lansi a tɛmɛ wa mɔgɔ caman bɛ ta mais absolument rien donc mun yɛrɛ y'an dabali ban san saba kelen kɔfɛ concours tɛ kɛ alors que san o san mɔgɔ min bɛ tila école maitriya kalan na a ka ca mɔgɔ ba saba ye san saba kelen kɔfɛ o la tout récemment le 13 mercredi ni gouvernement nana communiquer ka fɔ k'olu bɛ fɛ ka mɔgɔ 500 ta anciens kɛmɛ duuru fonction publique des collectivités tiɲɛ yɛrɛ la o y'an kɔnɔna fili i b'a dɔn ko mun na o y'an kɔnɔna fili 2017 kɔnkuru ma kɛ mɔgɔ min tilala enseignement la mɔgɔ min tilala école maitriya formation na 2017 c'est plus de 2000 a ka ca mɔgɔ ba fila ye 2017 awɔ mɔgɔ min enseignant min formera mais mɔgɔ ma ta 2018 u ye kɔnkuru dɔ organisé mɔgɔ min y'a ka dossier déposé 12 000 mɔgɔ batan fila de y'a ka dossier déposé
Ochala wara mo habanta. Mo ko kenana ni ani binani flasa. Ala ma se bakelema. Wo leta. Alors que 2018 kenana, ils ont fermé plus de 2000 enseignants encore. Ah mais bien sûr. 12 000 candidats se sont présentés, ils ont pris 443 et ils ont formé 2000. C'est quoi? Bon, on a fait un peu de rafale en 2019, on en a encore organisé. On a fait la formée 2018. 12 000 candidats étaient là, non? Donc 12 000 plus 2000, ça fait 14 000. 14 000 déjà présentés. 2019 au Congo là. En 2019, 14 000 candidats. Pour le niveau fondamental, ils n'ont plus que 500. Au fondamental, pas que les autres. Non, ils n'ont plus que 500 pour le niveau fondamental. Alors que les 14 000 candidats là, c'est pour le fondamental seulement. Il y a deux. Nous, mais enseignement que de la première année à la 9e. Premier cycle, second cycle. Il y a forme. Moi, battant dans les mots, mieux fait que fonctionnaire. Et moi, je me droite. Quand là, quand moi, baf la formée. Alors, Olu fara tain kan ya fam 2020 mo ko organiser on ga ton la kan ye shin kasuma mun mun be mun la ko ngor tu organiser yo kuma chama fo coronavirus gelabe ma kacha on ko ya problème en face de onde na bo gelabo dola ama munyo c'est comme douter ni même douter que la ke gelabo no il a que c'est pour que gelabo ngate me parce que coronavirus en be boro kala ma Wati la mumbe ye na en école maître kalanga na école privée là. Ay fam ni anya la wado. On doit être presque privé bara chama mbé bé ay. Ay gala la c'est mo chama ma. N'est-ce pas? Merci. 2020 Congo remarqué. 2021. Vers oui en 2021 aussi. Ma Congo roqué. Au bela et 2020 3000 mo basa ba reklala. Ancien mo basa ba klala. Formation à 2020 alors que moi qu'on roquait 2021 ils ont formé 3000 également moi basaba ya femme qu'on remarque en fana wala kasu mango tuguni ay directeur mon fo monsieur Koulibaly son a wuli a ka relever ay la dou tanya kan a rassurer koko ta fora déjà on va mettre au fora au dona a war bora fin de la benedo atoy ouverture maintenant go kota en ay mon fo sonne ouverture ka au cadeau à quoi l'état d'un va organiser maintenant mais c'est ministère de l'éducation de Massissa ka ani fouye kota mon fora ye sonne kon ka dai le noy aka décision c'est aka c'est ala je quoi ka besoin réel évalué wa donc mon kara ay demande d'audience adressée parce que nan le ko ka maka chara kono nous sera ngad fait mon bab la crefe tant reçoit on m'a envoyé donc enfin on voit na combien de personnes sont congolais organisés alors que moko chama bi anga bo en face de onde ante tchengala pacifiquement anga ira jamana dona mbe mais sitting au sein fait de ou en gain comment ça va vous faire ay anga anga tondo ma ay pancarte blanc amenons sur le carrefour des jeunes ame marché du ministère de l'éducation au ministère de l'administration territoriale juste pour montrer que on a besoin de que l'état organise le concours au don ce gomada fait son on casse carrefour des jeunes on tara soro pour sous mon rêve kenaka non hakat se foka ba non ça au fin à cour de karam city ke bon en réalité autorisation de madame anga chenfo ma khon nyafo Aïe, aïe, nous fait. C'est juste pacifique. Ami Fédron, quand la pancarte ira, quand Talama, quand on ira, quand on ira, on veut que le concours soit ouvert. Enfin, les femmes nous rôdent, nous sommes là, l'école mettra, quand on a nous mettra fonction pour là, on veut que le concours soit organisé. Donc, quoi, non, le pays n'est pas stable, il y a ceci, il y a cela. Donc, encore, il n'y a pas de problème, mais on a essayé de vous en gain. On m'a sacré. On a transformé ça en une assemblée générale pour qu'on ait un peu de temps. Mais on a encore un peu de temps. On a fait un peu de temps pour qu'on ait un peu de temps. Donc, on a eu l'assemblée générale et on a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. Moko muna meno de jamana kono ka solo maka nyefu lui o sen fe ansera ma mudi ko ma amafu ansera Ousmane Aydara oui Ousmane Sherif Aydara ansera ma ansera moko chama ma tel ka rasbach ma docteur Omar Marco ambu befo parce que bayan de mani haklina numay effectivement ay ya fam donc bon en tout cas fort bi fe ma ke follow donc nous on a bossé ça
ka fo gumna mo ka duruta en rega estimation na il y a plus de 20,000 mon écolemètre mon clala écolemètre kalana pour le niveau fondamental pour ceux qui sont sortis des écoles de formation d'enseignants pour enseignants fondamentaux les sortants des EFM c'est plus de 20,000 alors que quand on mène à quelqu'un dans mon cas d'urta c'est pas le fondamental seulement il y a le secondaire au niveau secondaire il y a les sortants de l'INSU il y a les sortants de l'INTP il y a les sortants de l'INGS il y a cas EFM mon gros farouk EFM parce que secondaire mais fondamental collectivité de vouloir recruter nous pourquoi on veut recruter 500 enseignants à la fonction publique des collectivités c'est pour le fondamental et le secondaire donc Kemedouru niveau fait donc nous il y a décret bossanga ouverture que nous serons à Kemedouru clair euro niveau entier par exemple premier fondamental la généraliste sera moko haga do doma second cycle la monde cours du 7e cadre mais c'est un cadre en 9e là aussi oui spécialisé LAG MPC LDM ouais ya fam SNPC c'est pas quota dans le monde mathématique monde bio monde français ainsi de suite jamana belé le bay nous traçons fait secondaire là dove anglais que dove français que dove soir joker dove psc que jul veut dire bema que me duru chela era qu'à imaginer. D'ailleurs, au moment où on a vraiment une cote en cadeau, on est cadeau. Pour dire à cadeau, nous avons besoin de moyens parce que vous le faut quoi comme bedoué au moyen temps. En gagnant l'État a les moyens comme vous former. Les écoles de formation d'enseignants coûtent très cher à l'État. Les professeurs qui sont dans ces écoles sont des fonctionnaires. Les étudiants dans ces écoles de formation sont des étudiants boursiers, des élèves maîtres qui perçoivent des bourses d'études. Donc, en mode de formation dans les écoles de formation d'enseignants, c'est 2 ans. Oui. Donc 2024, on aura besoin des enseignants. Si nous savons réellement en 2022, on fait une estimation, en 2024, on aura besoin de 100 enseignants. Pourquoi ne pas recruter 100 étudiants autour ou nous former école de formation d'anciens pour le clac avait besoin de présenter les effectivement pour l'embaucher. Ça c'est, et c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Merci. Mais faut. En quoi ma fana? Il y a un fait en blanc, il y a un mec qui a été organisé. En bébé, de vous privé, non. Mais il y a des tessons. Il y a un privé. Subhanallah. On a des tessons. Non. Ta condition chef de famille quoi t'as la foi t'as la sera blâ n'importe comment au décamant comment il assure l'intégralité il la fierté il torok à mon arrière donc au décamant bébé mangeant la bouca ta fonction publique là la femme donc pour moi c'est ça moi mon formera ou à recrutement que étape c'est la mort à comme taille réellement et à quoi t'as ni mort à toi mon tour à ce sens on va essayer qu'à benga sebe do sigi école privée ben ñoñje fama école ko tala fanta école ko tala parce que wal no ga fanno do mo ko na ko école de fama école wi les parents payent cher là bas et les enseignants sont dans de bonnes conditions là bas dobe ko no ko y fanta école alors que programme kelen ne be enseigner na be programme kelen e bo fam tawri e ka bla école de ne école de ka français ka cours de ne ka français cours de et traiter no kañe e ka sara kañe et ça sera territoire quand est tabac les pour passer en taille fanta école alors qu'on nous demande d'exécuter le même programme c'est le même programme aussi oui et les élèves sont évalués en fonction des à base des mêmes critères ou bien non au lieu de dire que ça dit discrimination donc à l'Angola nyamogo au lieu de dire que kalanko vrai nya ya tiana bi d'une part en réalité ou pas quand la mon petit kaké sinon en mon bien, en ma réalité, dans mes affaires, mes fouilles. En commençant, nous sommes bien à sévère aussi que l'école privée de Nyonche. Car il faut bon, l'école privée là, à quand on a beaucoup de temps pour faire. Là, il y a beaucoup de temps. Il y a un promoteur d'école. Il y a besoin d'exprimer Kapula. Parce que l'école, ça relève
d'un cap ou encore d'une académie, n'est-ce pas? Donc, ça trouve que moi, je suis allé faire une formation dans l'école métra, Kalana, on va dessus ou bien, ils vont prendre ces gens, couple à Katao Fein. Maintenant, état de recrutement. Mais à vous, ça sera une condition. Le salaire minimum, c'est ça. À bout de INPS, là, bout de Amo, là, va donner. Ou quoi, droit, ben. Nous, c'est ça. On va être à toi, Kalafia. Ensemble, on va être à toi. Tiens, mon beau chômage, là. Mais au thé, c'est rare quand l'école privée doit se reposer pour. Ancien de flène, quand un salaire c'est considérable. Il compte bien dans la tête, mais où est-ce que l'air est barré et terre? Oui. Un ancien dans les écoles privées à Tchamambi, dans la tête, ce n'est même pas il travaille pas. Ouais. Il se débrouille pour survivre. Oui. Au décan, un bébé fait cadeau, fonction publique là. Ok, au fond, ok, au fond, voilà. Ok, et Agu, en tant que président du collectif, quelle est votre proposition pour que le gouvernement prévoie les nombres, les quotas des 500 enseignants? Est-ce que vous avez des propositions à le faire ou vous avez déjà fait des propositions? Bien sûr que chaque fois que nous sommes passés dans les départements auprès des autorités, nous avons fait des propositions. Oui. Nous avons fait vraiment des propositions. Nous avons notre cahier de doléances, de charges, qui contient des propositions à leur niveau. Maintenant, pour les quotas qui a été annoncé de 500, nous demandons aux autorités de revoir ces quotas-là. Oui. Parce que ces quotas ne reflète ni les besoins de l'école malienne, ni les besoins d'enseignants chômeurs. Et si on dit que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, non. L'argent, il ne se donne pas. L'argent, il se gagne. Et pour le gagner, il faut faire des prévisions, il faut faire certaines choses, certains projets. Ce n'est pas seulement parce que voilà, on dit aujourd'hui voilà, je n'ai pas d'argent. Oui. Tu n'as pas de métier, tu as fait quoi pour avoir l'argent? L'État ne peut pas dire qu'il n'a pas d'argent pour recruter en tout cas un nombre beaucoup plus supérieur que 500. Oui. Ça c'est vraiment inadmissible. Oui. C'est un manque de, je dirais seulement que c'est un manque de volonté. Sinon, dire qu'on n'a pas d'argent, l'État n'a pas d'argent pour dépasser le quota de 500, non, je ne suis pas d'accord. Franchement, je ne suis pas d'accord. L'État a des moyens pour recruter plus que 500, le triple, le quadruple même. En ce moment, ils sont en train de dire qu'ils n'ont pas d'argent, mais ça, c'est le passé de vous-même. Ah, c'est ça. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. L'État dit qu'il n'a pas d'argent. Et depuis que nous avons commencé cette démarche, c'est toujours la même chanson. Oui. C'est les mêmes refrains. L'enveloppe budgétaire. Mais l'enveloppe budgétaire, c'est une volonté des personnes. C'est nous qui décidons. Voilà, on met ça dedans. C'est la volonté. Sinon, il y a de l'argent. Pourquoi il y a de l'argent pour les cortèges présidentiels, pour les cortèges du Premier ministre, pour certains... Non, il y a des trucs moins importants que l'école, dans lesquels on investit des milliards. Je veux parler d'une petite chose là. Par exemple, on dit que il n'y a pas d'argent, n'est-ce pas? Oui. D'accord, il n'y a pas d'argent, mais vous allez voir que cette année, on va ouvrir le concours d'entrée à l'ESIEFM. On a déjà ouvert le concours d'entrée à l'INSIP. Et bientôt, on va ouvrir le concours d'entrée à l'INTP, le concours d'entrée à l'INJS. Et ce sont des milliers d'élèves professeurs et d'élèves maîtres qui seront dans ces écoles-là, qui seront boursiers de la première année jusqu'à la fin. Mais vous dites que vous n'avez pas de moyens. Vous avez des moyens d'aller former les gens. Mais pourquoi ne pas arrêter de former les gens dans ces écoles-là? Parce que vous savez pourquoi les enseignants font du bruit? Parce que leur formation et la formation des autres, là, c'est pas la même chose. La formation d'un médecin, la formation d'un enseignant, ce n'est pas comme la formation d'un étudiant. Non, c'est pas la même chose. Nous, en tant qu'étudiants, notre formation est générale. Alors que la formation d'un enseignant, elle est professionnelle. Cette formation est faite en fonction normalement des besoins. Et après la formation, directement, il doit être
mis sur le terrain pour servir l'État, pour servir l'État, ou en tout cas pour servir. Parce qu'on dit que l'autre, l'État ne forme pas seulement pour les pour lui, il forme aussi pour les secteurs privés. Donc cela c'est vrai, mais il faut mettre les paquets. Je reviens maintenant, si on dit que l'État n'a pas de moyens, comme je l'ai dit, on a besoin de peut-être de 1000 enseignants en 2024. On va voir dès aujourd'hui, avant même le lancement du concours, il y a les services techniques. Et les services techniques sont chargés de voir les prévisions de combien d'enseignants vont partir à la retraite en 2024. Et ce nombre d'enseignants-là, on va les recruter dans les écoles de formation d'enseignants. Comme ça, dès qu'ils sortent, ils sont directement fonctionnaires. Et c'est comme ça que ça s'est fait dans plusieurs pays, dans plusieurs pays de la sous-région. Et en dehors de cela, comme chaque fois que nous sommes passés chez eux, ils nous parlent aussi du secteur privé. Mais le secteur privé, vous pensez que si le secteur privé était envié, les gens crieraient sur les réseaux sociaux pour demander la fonction publique? Jamais. Non. L'homme ne cherche que là où les conditions de vie et de travail sont meilleures. Il va là-bas, c'est clair. Okay. Nous avons dit, ouais, d'accord, vous formez aussi pour les secteurs privés. Mais pourquoi vous n'intervenez pas dans les secteurs privés? Pourquoi vous ne mettez pas des conditions pour ouvrir une école, pour recruter les enseignants dans les secteurs privés? Tout ça, si c'était fait, tout le monde accepterait d'aller dans les secteurs privés. Le Ségal l'a dit. Si vous voyez quelqu'un partir dans les écoles privées pour servir, c'est parce qu'il n'a pas trouvé mieux. Si vous voyez quelqu'un qui tête les seins de sa grand-mère, c'est parce qu'il y a problème avec la maman. Effectivement. Les écoles privées, généralement les spécialistes sont payés par heure. Et Dieu seul sait combien certains sont payés par heure. Il y a des gens qui sont payés par heure à 600 francs. 600 francs l'heure. 600 francs, par 600 francs l'heure. Je connais des gens qui ont 27 heures et vous savez combien ils sont payés par mois dans les écoles privées? 45 000 francs, 35 000. Par mois. Alors que chaque jour ils sont à l'école. Chaque jour, du lundi au vendredi, ils sont à l'école. Chaque jour, 27 heures. Oui. Mais ils ont entre 35 à 45 000 francs. Imaginez à bon coup. Mais nous avons des familles. Même si voilà, nous ne sommes pas mariés, nous n'avons pas de femmes et des enfants. Les parents sont là. Ils ont souffert pour nous envoyer à l'école. Nous devons prendre les relais. Quel relais nous allons prendre avec 35 000 francs? C'est pas possible. Si tu enlèves l'électricité, tu enlèves l'eau, il reste combien? Rien. Rien. Si c'est quelqu'un a une moto aussi, le carburant, ou bien quelqu'un tombe malade. Rien. Donc nous disons, si vous voyez que nous sommes en train de crier, c'est parce que nous souffrons. Sinon, nous ne voulons pas acquitter notre pays, surtout à l'ère de la transition. Mais il faut aussi que le pays sache que nous aussi, nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de servir les pays. Nous avons aussi besoin d'être un jour d'être appelé chevalier de l'ordre national parce qu'il a servi son pays. Pourquoi nous exclure? Parce que quand nous sommes exclus, c'est aussi en quelque sorte l'exclusion de l'école malienne. Parce que c'est nous qui devons allumer la lumière. C'est nous qui devons allumer la lumière. C'est nous qui devons allumer cette lumière-là qui aujourd'hui elle est éteinte dans plusieurs localités du Mali parce que l'école ne fonctionne pas. Je vais vous dire, il y a des écoles qui ne fonctionnent pas. Non pas parce qu'il y a l'insécurité, mais parce qu'il y a problème d'enseignants. À Yelimani par exemple, nous avons des camarades qui sont partis là-bas. Les écoles ne fonctionnent qu'à la répartition des stagiaires. Les stagiaires, ce sont les enseignants qui sont à la dernière année de formation. Quand on les envoie maintenant, les écoles fonctionnent. Et après leur départ, les écoles sont fermées. Mais pourquoi ne pas prendre des dispositions pour ouvrir une bonne fois pour toutes ces écoles-là? C'est là le problème. Donc, nous demandons encore une fois de plus aux autorités
d'avoir l'amabilité et la volonté politique de revoir ce quota-là. Parce que ces quotas ne font pas vraiment du bien ni à l'État nous-mêmes, ni à nous les enseignants, encore moins à l'école malienne. Les parents d'élèves doivent s'impliquer dans la gestion de personnel enseignant, particulièrement au recrutement. Parce que si les parents d'élèves se taisent, vous allez voir, même ici au groupe scolaire de Kalabankoura, je me rappelle en 2020, une classe, c'était pas moi, c'est mon ami qui était là-bas en tant que stagiaire, une classe de plus de 100 élèves, c'est 150 élèves. Et imaginez 150 élèves. Comment enseigner 150 élèves? Non, c'est pas possible. Non, franchement, c'est 150 élèves dans une classe. les enseignants savent que c'est vraiment chose aisée. Tu vas faire, peut-être tu vas venir, tu vas dire voilà ça. Mais le bruit seulement de ces 150 élèves, c'est un problème. Je me rappelle aussi à Manyambougou, en 2017, une classe de 129 élèves. 129 élèves. Et les 129 élèves, comment les transmettre tous des connaissances? Comment allumer la lumière à nuit? C'est pas possible. Ouais. Donc, le rôle des parents d'élèves doivent se faire sentir à ce niveau-là. Pourquoi je parle des parents d'élèves? Je vais vous expliquer. Parce que si les parents d'élèves s'impliquent, notre problème de chômage va diminuer, c'est clair. Parce que l'État sera obligé de construire les écoles. Et plus il y a des écoles, plus les besoins d'enseignants vont se faire sentir obligatoirement. Une classe de 200 élèves, par exemple. Normalement, ça, ce n'est pas une classe, c'est quatre classes. La classe ne doit pas dépasser 50 élèves. Donc, vous voyez, pour le cas, un enseignant pour quatre classes. Mais si on divise cette classe-là, on va dire quatre, au lieu d'un enseignant, ça sera quatre enseignants. Ça fait trois enseignants de moins en chômage. Donc, vous voyez, donc chacun d'entre nous a en quelque sorte une part de responsabilité dans le problème des enseignants chômeurs. Et je pense que les autorités, les parents d'élèves, tout le monde doit s'impliquer pour éviter encore de voir des milliers d'enseignants au moment où les besoins y est. Ok. Pili l'éri. Ok. Merci. Et Gourama. Oui. Bon, directement, vous avez mon frère, on est à la proposition là, pour qu'il soit dans le bon jambon, à la proposition là, pour qu'il y ait un mot qui me dure. On me fait mon cœur. On te sera fait, on me fait un effort. Estimation de la mort, à la fois, c'est effectif. Au fora ni sanja we disposition jumen eta pour beaucoup au mo hakay ko identifier ko boy ko enlever la boy ko kota fara kene drinka. Donc au lieu de laisser comme ça, par exemple, même si c'est 400 enseignants effectifs, pourquoi ne pas identifier ces 400 enseignants, enlever ça et puis remettre ça au fora mo kene drinka, ça va faire 900 au kene flana nous avons besoin c'est quoi kene drinka. Je suis en retraite là. Et si vous avez un congé, je suis en congé de formation sur le Qatar. Je suis en train de faire un congé de 2019 à Nibiche. Parce que le Congo est en train de faire un congé de retraite là. Je suis en congé de formation. Et si vous avez un congé de donc, depuis que vous avez un congé de formation, tu as besoin réel et valide. Car le recrutement est en fonction du besoin réel. Ce n'est pas un cadeau. Ok, problème. Voilà. Ok, je suis venu à la fin de 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 la fin. D'accord, on a un dernier mot. Mais, je suis venu à surtout, mon chasseur Lendo. Mon fou, Bella Djelé. Madame la présidente de la transition, on a gouverne, chef de gouvernement, tous les membres du gouvernement, du CNT, Malien Bembe, Bella Djelé. Oui. Il faut le craindre, même baissé. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps.
kanu anga tega de ñoko ma anga pour que anga France ro jamana en Congo la jamana en Congo ka bonne effectivement agela ka chaturu aka gele mo ko pelen ka sika jere bi mo ko dama dama be de sika jere ni besona do pour ko ka ke anga hakil nga ke leni kan du sunu ga ñoko ne kan tega de ñoko ma kan ga ke wale ke kelenye nous gra jamana en be ja ok dewa sa bosoro ok merci beaucoup le président Ouattara voilà votre dernier mot avant que directeur merci monsieur Diarra nous saluons alors tous les followers de DEMS TV nous saluons les autorités, nos militants, les parents d'élèves. Et nous demandons à tous ceux-ci de s'impliquer activement dans le processus de recrutement d'enseignants. Si je veux dire s'impliquer, ce n'est pas aller demander aux autorités ou bien demander à ce que quelqu'un fasse partie de recrutement, non. C'est que le nombre d'enseignants qui sont dans les rues, soit considérablement réduit. Et cela ne peut se faire si l'on ne recrute pas chaque année. Donc il faut que les autorités s'impliquent davantage dans les problèmes d'enseignants chômeurs. Il faut qu'elles s'impliquent aussi dans les problèmes des écoles privées. Également les parents d'élèves doivent aussi veiller à ce que leurs enfants soient dans les meilleures conditions d'apprentissage. À cela, nous allons faire émerger ce pays-là. Vraiment, une dernière fois, nous allons demander à nos militants de se mobiliser, demander aussi à nos collègues, nos camarades de sortir des autres écoles de formation d'enseignants, INJS, INTP, INSUP, de se joindre à nous pour mener ce combat. Parce que ce combat, ce problème de chômage d'enseignants ne concerne pas seulement les sortants des IFM. Ça concerne tous les sortants des écoles de formation d'enseignants. Et d'ailleurs, ça concerne tous les sortants des écoles de formation professionnelle. Donc nous leur demandons de se donner la main pour mener cette lutte à bon port. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on aura besoin de vous dans les jours à venir Inchab. De parler sur d'autres termes, sur l'éducation, parce que ça me fera plaisir. L'éducation, c'est comme zéro. C'est vraiment. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Et quand là, on a vraiment, ça m'a bien fait notre invitation. On a un plateau sur le plateau. Donc voilà, maintenant sur le plateau, ils savent. Donc voilà, mais quand Chamanga, pour qui Chamanga, on a deux mois pour la folie calama. Parce que voilà, Chamami, en fait, voilà, nous nous gâchons ça. Ou Chaman s'il met en l'air, ou pour la folie Chaman sera là. Maro Dona Natola, mais là, on a voulu tout le plus avant qu'on ait des barrières. Dona Natola tout le monde. Ok. Quand faut demain civil, là, nous voyons Maliko Nani, Maliko Wani. Voilà, tu n'as pas encore émission spéciale là. J'ai un nouveau bla. Et Canada Ag Matamani, présent des collectifs, des sortants des instituts de formation des maintenant IFM, moi nous au formation et à même dans le programme le secrétaire général et on voulait vraiment qu'on a pour que on a cela comment avoir le gouvernement nous communiquer de beaucoup mon groupe moi qui me dure là enseignant là donc lui il a voulu à cadeau parce qu'il y a des années sans savoir de quoi là et qu'on vous marque donc alors que gouvernement va nous former pour ma belle année là ça nous nous ferons vraiment à cacha voilà une pour nous des maro amour mal les nous ratina alors formel chaman sur alors frank là le mandat gouvernement de la transition ou va jeter une idée ou va nommer une nous mot qui me dit à cadeau ou à deux francs pour que je suis moins une sera qu'elle est jamais mon autre ou à la ma fin à barre en belle année pour que la série de l'année m'a pas fait nous dit ça j'ai le cas ou à tisse moi la dame ou la zénie si c'est oui alors qu'il a tout caméra convaincre à réalisation de oui David ça oui ma voix à la rambé j'ai ou à tirer de mes tv sans faire à tout n'avoir à du gros n'a fourni ma dille là.